tous les gens qui ont des résultats comme ça que je connais, qui font 100K par mois, ou même 100K à l'année, ils ont investi de ouf en eux. Ils n'ont pas investi 1000, ils ont investi 10, 20, 30, 40. Après, ça augmente et en plus, tu te formes continuellement, tu vois. Fais cette vidéo, les gars. Parce que je pense que j'étais en train de voir. Parce que tu sais, en fait, les gens qui prennent rendez-vous avec moi, ils ont un formulaire à remplir. Et je vois des gens qui mettent, par exemple, je veux faire 100 000 euros à l'année. Ou je vois même des gens qui disent, je vais faire 100 000 euros par mois. Ouais, je vais faire 100 000 euros par mois, même 100 000 euros à l'année. Donc là, moi, je dis, ok, donc le gars, il est chaud. C'est pas de souci, tu vois, c'est, il faut être déter, il faut voir grand. Après, motivation, les gars, ils sont déter. Ah ouais, je vais tout donner, je suis chaud. Et je dis, ah ouais, non, les gars, ils sont chauds, de ouf. Le gars, il est chaud, il a des ambitions. Donc il a dit, ouais, je vais donner tous les moyens qu'il faut pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et après, quand je lui demande c'est quoi l'investissement qu'il est prêt pour pouvoir atteindre ses objectifs, je vois, il met 1000 euros. Je dis, mais les gars, mais c'est pas possible. Il me dit, mais non, il y a un truc qu'ils ont raté. Donc ça, j'ai dit, je vais faire une vidéo. Parce que je pense qu'il y a un truc que les gars, ils ont raté. Comment tu fais pour pouvoir faire ne serait-ce que 100 000 euros à l'année? Comment tu fais pour faire 100 000 euros à l'année? Ça veut dire que tu connais rien. Ça veut dire que tu pars de zéro, tu n'as aucune connaissance, d'accord, tu n'as aucun business, tu n'as rien. Tu pars de zéro pour faire 100 000 euros à l'année en investissant moins de 1000 euros. Comment tu fais? C'est pas possible. En fait, pour pouvoir faire ces 100 000 euros, il va falloir que tu deviennes une nouvelle personne. Et pour que tu puisses devenir une nouvelle personne, il va falloir que tu investisses en toi. En fait, il n'y a pas le choix, en fait. À moins que tu aies un mentor que tu connais, qui est déjà millionnaire, donc il va tout expliquer, il va te dire exactement où aller, comment faire, comment réfléchir, comment voir la vision, etc., comment planifier. Tout, tu vois, mais déjà investir moins de 1000 euros. Enfin, moi je connais personne qui a fait ça 100K comme ça en investissant moins de 1000 euros. Alors, je te parle même pas des 100K par mois. Les 100K par mois, les gars, ils sont bien sûr qu'ils sont atteignables, mais t'imagines la nouvelle version de toi-même, comment tu dois devenir, que ça soit au niveau en termes stratégie, les stratégies que tu dois connaître, d'accord, que ça soit en termes de mindset, changer ton mindset. Après, comment mettre en place tout ce qui est planification? Comment créer une équipe? Parce que quand tu fais 100K par mois, tu ne les fais pas tout seul, hein. Comment générer une équipe? Tout ça, il y a tellement de choses, en fait, à savoir, que si tu pars de zéro, dire que tu veux investir 1000 euros en toi pour pouvoir atteindre les 100K, c'est juste une blague, tu vois. Après, je suis OK parce que moi aussi, je suis passé par là. Et c'est juste, en fait, ben, les gens qui mettent ça, c'est qu'ils ne se rendent pas compte, en fait, de ce qu'ils disent, tu vois. Et alors, c'est où les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent? Où ils sont encore dans le système de grattage. Et ils se disent, je vais gratter un maximum et je vais gagner un maximum, tu vois. Ça, c'est la mentalité des gens qui sont pauvres, en fait, tu vois. Ils cherchent toujours à gratter. Comment je peux gagner un maximum sans rien donner, tu vois. Comment je peux gratter le chômage, comment je peux gratter ceci, comment je peux gratter le gouvernement, comment je peux tout gratter, tu vois, pour pouvoir gagner un maximum. Voilà, donc du coup, si jamais c'est cette deuxième façon de penser qui fait que tu te dis, ouais, je vais mettre juste 1000 euros, je vais investir 1000 euros. Et quand je dis en plus 1000 euros, ça se trouve, les gars, dans leur tête, ils se disent, ouais, je peux investir 200 euros ou 300 euros, ou peut-être que je vais essayer de rien investir et toucher 100 000 euros par mois. Donc voilà, c'était une petite vidéo. Je me dis, voilà, pour les personnes en tout cas qui savent, qui sont vraiment déterminés, sachez, les gars, que vous allez investir de ouf en vous. Tous les gens qui ont des résultats comme ça que je connais, qui font 100K par mois, ou même 100K à l'année, ils ont investi de ouf en eux. Ils n'ont pas investi 1000, ils ont investi 10, 20, 30, 40. Après, ça augmente et en plus, tu te formes continuellement, tu vois. Il n'y a pas le choix, en fait, parce que plus tu vas vouloir gagner plus, plus tu vas vouloir grandir, plus il va falloir que tu grandisses plus. Il n'y a pas le choix, en fait. Il faut que tu deviennes une nouvelle personne. Et pour ça, ça va te demander du temps et de l'argent. Ok, donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous sensibiliser par rapport à ça. Je me dis, parce que moi aussi, avant, je pensais comme ça. Donc, soyez pas en mode grattage, les gars, ça fonctionne pas, en fait. Ça fonctionnera jamais. Le foot à 7, il est ici, les gars. Je te montre vite fait ou pas? On lâche rien. Si vous voulez vous lancer et créer votre business en ligne, vous avez tout en description pour pouvoir vous former, en plus c'est offert. Donc allez-y, les gars. Et après, pour passer vraiment passer le cap de dessus, il va falloir investir en vous, ça c'est sûr.